Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va ouvrir quelques nouveautés parmi tous ces jouets surprises. On commence avec le camping-car surprise de Peppa Pig. Et là, nous avons son frère George. Voici toutes les figurines qu'on peut avoir. On continue avec les Pick Me Pops en forme de donut. Il a l'air très appétissant. Là, on a un grand sachet avec un donut en forme de pluche à l'intérieur, qui sent hyper bon le chocolat. On continue avec les Candy Locks. Ce sont de nouvelles poupées avec de très très longs cheveux. On dirait de la barbe à papa. Vous allez voir comme elles sont toutes mignonnes. Donc elles ont des accessoires pour leurs cheveux. Et là, on a la brochure où on nous dit qu'on peut créer des coiffures sensationnelles pour toutes ces poupées. Voici ses accessoires. Et la poupée, on va la découvrir tout de suite. Elle est hyper mignonne. Adorable. Très petite avec de longs cheveux. En forme de barbe à papa, on peut apprendre à faire des tresses, on peut lui faire plein de coiffures et les attacher avec les accessoires. J'aime beaucoup ces couleurs à celle-là. Trop mignonne. Voyons voir ce qu'il y a dans le sachet. De petites décorations pour compléter la coiffure. On peut pratiquer et apprendre à faire plein de coiffures sur leurs longs cheveux. On continue avec ces nouvelles surprises et ce sont des Pop-Pop Hair Surprise. Alors on va voir ça tout de suite. Là on a une brosse avec une jolie tête. Un corps qui se détache, c'est un vaporisateur qu'on ne peut pas ouvrir. Voyons voir ce qu'il y a dans la tête. Donc là, on a un petit sachet avec deux barrettes en forme de nœud. Et là, on a une longue mèche. Tiens, j'ai l'impression que c'est la même tête qui est sur la boîte. Et à l'intérieur, il y a une petite figurine avec un élastique et une longue mèche. On peut lui mettre une barrette. Mais on peut aussi l'attacher à sa propre chevelure. Pas mal. Ah là, j'aurais dû suivre les instructions. J'étais censée vaporiser ce petit sac là. C'est pas grave, on le saura pour la prochaine fois. Et on peut utiliser ces mèches pour décorer ses cheveux. Ou alors décorer la petite boîte. Donc là, on va les replacer dans la petite boîte et les mettre dans la grande, qui est en fait une brosse. On appuie bien fort. Et voilà, on a une très jolie brosse avec sa mèche. Et elle s'appelle Frilly. Et comme vous le voyez, on peut collectionner plein de petites figurines
avec les longues mèches. Prochaine surprise, les poupées Bloom. Donc là, on a un très beau pot de couleur rose. Un joli cœur. Un arrosoir. Tiens. Et là, on a des instructions qui nous montrent comment découvrir ces jolies poupées. Et là aussi, on en a pas mal à collectionner. Donc voici les instructions. On va arroser la plante et voir si elle va éclore. Donc pas mal de choses à faire. Allez, c'est parti. Il devrait se passer quelque chose. Ah oui! Je vois le haut de la poupée. Et là, il suffit de tirer. Et la voici. Très très mignonne. En forme de fleur. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et à l'intérieur du pot, il y a trois surprises. Le sac de la poupée, ses vêtements, ses chaussures, et ça, c'est quoi? Une petite figurine qui va avec. La voici habillée. Et il lui manque plus que ses accessoires, le sac et la figurine. On continue avec les Lost Kitties. Là, on a une nouvelle surprise. Tiens, on dirait de la crème fouettée. On a le chat ici. Des autocollants. Mice Mania. Donc là, on va voir pas mal de petites souris. Il faut tourner en bas, la pâte à modeler sort et à l'intérieur, on a les petites souris. On a de la pâte jaune, une première souris orange. Et la deuxième de la même couleur. Et les voici tous les trois. On continue avec les Baby Born Surprise. Avec 10 surprises à l'intérieur. Là, on a le nouveau-né dans une belle couverture, licorne arc-en-ciel avec un joli serre-tête. Elle s'appelle Crystal Unicorn, numéro 22. Voici sa tête. Je crois qu'elle a les yeux violets et c'est une fille puisqu'elle a un biberon rose. D'ailleurs, on va lui donner tout de suite à boire. Ah,
Regardez sa couche, il y a des arcs-en-ciel dessus. Il est temps de lui ouvrir les yeux. Elle a de beaux yeux violets et des cheveux marrons. Donc on va voir tout de suite comment elle s'appelle. C'est Sienna, cheveux marrons et biberon rose. Voici sa couche. Et elle est née au mois de janvier, donc le 22 janvier. Crystal Unicorn. Ça veut dire qu'elle est Verseau. 22 janvier. Donc on va écrire Sienna. Le 22 janvier. Je ne sais pas où elle est née. Et elle est Verseau. Voici son certificat de naissance. À cette jolie poupée. On va la remettre dans sa couverture avec son biberon et n'oublions pas son extrait de naissance. Foodie Surprise. Donc là, nous avons un chariot rempli de surprises et apparemment, avec ces surprises-là, on peut faire des choses à manger. Donc, qu'est-ce qu'on a? On dirait une banana split. On a une fraise avec des boules de glace, des bananes et les roues, ce sont des biscuits Oreo. Donc, ça s'ouvre comme ça. Il y a des petits récipients à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on a des sachets dans lesquels on a de la poudre avec des instructions qui expliquent pas à pas comment faire ces bonbons avec des instructions bien détaillées. Et là, on a différents parfums et il suffit de rajouter de l'eau et d'attendre. Et voici tous les moules pour finalement les mettre à l'intérieur. Mettez un like si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.